Bon voilà, arrivé, le clair auto, il est tôt comme d'hab. J'avais rendez-vous à 9h30, il est 9h29. Franchement, je trouve qu'il y a du progrès les gars. Donc là on attend Cam et un autre bro, vous allez voir, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en vidéo celui-là. Et ça va faire grave plaisir de bosser avec lui aujourd'hui, donc moi je vais attendre patiemment parce que je suis en avance. Mec, qui voilà. Et ouais, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu lui. Et toi bro? Salut gros. La forme? Ça va ou quoi? Ça va. C'est trop tôt. Putain, c'est trop tôt, mais je peux vous dire, vous sentez pas, mais il a embaumé sa caisse de 1 million ou de je sais pas quoi là. Ouais, 1 million. T'as vu? Enfin, non, même pas, non, je dis une connerie. Attends, c'est quoi déjà que j'ai? On s'en bat la race. On s'en fout. Va te garer. Ouais, je Oh là là. Oh là là. Ah, faut s'en occuper. Et Christophe? Salut. Ça va et toi? Tu connais Clément? Tu l'as peut-être déjà vu dans les vidéos. Moi qui avais peur d'arriver après toi. Ah bah non, pour une fois, je suis arrivé avant tout le monde. Cam, il est en train de laver la voiture là. Ouais. Et puis voilà, donc ouais, pour une fois, Clément il va venir nous aider à bosser, c'est carrément cool. Ouais, ça va changer un petit peu. Et puis bah, projet du jour, si vous avez suivi là récemment sur la chaîne, on a essayé de sortir des vidéos un peu plus vite. après le tournage on va dire. Là on bosse sur la Camry aujourd'hui, donc on attend que Camille arrive et puis on vous explique tout ça une fois qu'on est dans le garage. Ce genre de bateau. Ce genre de thème. Bonjour. Ah là là, voilà, pour ceux qui n'avaient pas vu, ça va passer de ça à ça. Parce que là le but c'est il veut la poser par terre. Ouais, le clairement c'est de la poser par terre, mais vraiment. Genre, tu vois la voiture? Bah tu vois. BAM! Oh merde, j'ai tapé ta clope. Ah, quel beau veston tu tiens là. Ça va? Viens toi. Ouais. Ça vient? Toi grand. Ouais. Morico. Ouais, j'étais obligé de passer par le lavage parce que j'ai arraché des modes de terre, mec, c'est un scandale. Et bon, j'ai arraché cool. Des modes de vernis aussi. De vernis? Ouais. Ah ouais, non, mais tu vois ça, de toute façon. Tu vois, c'est l'effet biton américain. Mat et vernis. Là, si tu veux, j'avais du vernis jusque là, à mon avis. Là, pareil. Ouais. Et c'est parti par un morceau. Bon, c'est pas grave, elle finira en peinture bientôt. Oh, il y a encore Christopher qui a laissé sa poubelle de la poste là-bas. Là. Il va me taper encore. Salut les gars. Bonjour. Regarde, il y a encore le postier qui a laissé son automobile. C'est un échec. Ah, c'est chinois, hein. Toujours chinois. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est Leclerc autour de Guérande, comme d'hab. On est avec Cam et Clément. Vous avez été nombreux à nous questionner par rapport à la Camry, d'où elle vient, etc. En gros, c'est Camille qui a chopé ça pour 500 euros, tout ça. Ouais. Ça a coûté 500 euros et traînait dans un parc auto chez Toyota. En gros, il l'a sauvé de la casse, on va dire. C'est une caisse qui a été importée des États-Unis. Toyota of North Hollywood. Ça c'est la classe. Donc, cette Camry, c'est censé être le daily de Camille. Putain, deux fois qu'elle se pète la gueule. Je lui ai sauvé la vie. Ouais, elle a été importée des US en 2006 ou je ne sais quoi. V6, 3 litres, 200 chevaux, boîte auto. Et puis, bah, elle a tous les specs des US, hein, les rétrofix. Le régulateur de vitesse, etc. Les veilleuses aussi, assez important. On a décidé que ce serait son daily, mais finalement il va quand même la flanquer par terre parce que toutes nos voitures finissent flanquées par terre. Donc là on va attendre, ils sont partis dire bonjour, j'attends, je profite de ça. Salut les copains. Et voilà, donc comme d'hab, Max Feeling Rods, regardez la description, on vous en parlera plus tard bien sûr, mais ça va être vraiment cool, j'ai hâte de commencer, et puis on va aller dire bonjour. Ah, c'est loin en fait, hein. Pouf, ouais. Tu vas bien? Et toi? Ça va, ça va.
Tease. Viens par là. Viens voir. Ça, c'est quoi comme empreinte ça? C'est un 5 pans. Mm-hmm. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Un Torix. Mais tu vois, moi je t'ai donné lui. Toi, tu prends un Torix de merde. Ça, c'est bien ça. T'as vu comment il est? Attends. Julien? On peut pas lui faire confiance. Oh, Camille, nique ta mère. Faire le malin là. Bien, bravo. Ça commence bien. Oh la vache. Peut-être t'as les porte-bac là-bas. Ouais. Peut-être tu mets sous un porte-bac et puis c'est bon, tu fais pas comme tu ouvres, t'en mets pas partout. Et puis voilà. Et tu sais, t'as les trucs. Enfin, un sport-bac. Non. Bon, en gros, Cam, ce qu'il veut faire aujourd'hui. Tu veux quoi, la vis ou ton Cam. Ah, c'est pas con ça. Cam, ce qu'il veut faire aujourd'hui, c'est vidanger. On va profiter. Tu veux pas, on recommence ? Pourquoi ? On va profiter que la voiture soit levée aujourd'hui pour vidanger la caisse complète. Tu veux faire quoi ? Filtre à huile et filtre à gasoil ? Je vais faire à gasoil. Filtre à essence. Donc, on va direct la vidanger avec le. Refroidissement aussi. Et le ref. Alors, ça, c'est encore plus dangereux. C'est ça, en général, t'en fous partout. Bah non, si tu fais la vis de purge au niveau du radiateur, ça. Moi, j'ai regardé les tutos de Tchou parce qu'il paraît, t'en mets toujours partout. Oh, on va chercher un truc qui porte les bacs. Un truc qui porte les bacs, un porte-bac. Un porte-bac. Merci Camille. C'est parti. Monte pas tout de suite. On n'a pas vu. On n'a pas vu encore. Mais attends, t'as changé, t'es mignon. Hein. C'est tout neuf. C'est tout neuf. T'es bien. Attends. Là, il faut nettoyer la terre parce que en fait, c'est un tracteur. Tu vois, regarde, on voit encore. On voit encore que t'es faible là. Bon, on en reparle dans deux semaines. Quand tu te seras tollé une deuxième fois. Ouais. Je te le souhaite pas. Vas-y, bah pète parce que moi je suis obligé de filmer parce que sinon il n'y a rien qui est filmé. Faut que je pète. Mais non. Vas-y, fais ton métier toi. Je suis content. Je fais des boum boum. Tadam. Là du coup, on doit enlever ça. Ça, c'est quoi ça? C'est le support de la biellette de Barstab. D'accord. Ah ouais. Là, la Barstab, elle est là. Et Toyota. Essin. On a Nissin, là c'est Essin. Essin Toyota. Ta gueule. On fait l'avant ou l'arrière d'abord? Bah, comme tu veux. On fait la vidange ou pas? Comme tu veux. On va chercher un bac à vidange. Bah, vas-y. I follow you. Cette démarche avec le pull brosse garage, fantastique. Ça, c'est du bac à vidange de compète, mon gars. Ah ouais. C'est qui nous apporte un truc là? C'est Jean-Charles qui ramène le roller fender. Ah yes! Le Saint Graal! On va pouvoir rouler de l'aile. T'as bien? Va bien? Ça va? Ah mec, tranquille. Alors, ça, c'est ce qui va nous permettre de faire du tuning. C'est bon. Je m'en suis jamais servi, ça va être la première fois que tu. Ah, on va le. En fait, techniquement, voilà. Ça. On va le. Le dépuceler quoi. Va. J'ai envie de te dire, il l'inaugure pour une Toyota, donc ça, moi ça me va tout à fait. Ça va. Quel honneur. Regarde ce qu'on a. Fender. Tu t'es pris une goutte sur la gueule, c'est ça? Ça va. Ouais, je me suis pris une grosse giclée, mon gars. J'en suis pas plus fier. La giclée du 7. C'est dégueulant. Pouh. C'est clair. C'est un punching ball. J'ai un kata à changer alors. Quel kata? Ça sert à rien, ah, les katas. Oui, c'est vrai. Tu veux faire des flammes ou tu veux pas faire des flammes? Non. Ah, j'avoue. Ah, faudra virer le silence derrière aussi. Alors. 93, tu 93, peux ne pas mettre de kata. Et du coup, par contre, tu vois, après mon collecteur, ah, il ça, c'est ce système là, on le garde. Ouais, tu vois. Au pire des cas, faut se couper là, tu coupes le kata. Non, mais regarde, là, ça va, c'est propre. Hein. Ouais. Là, ça va, c'est propre. Hein. Je joue genre les violes kata, comme ça, tu gardais quand même les trucs. Bah, après, le seul truc en fait, c'est que en enlevant le kata, je me retrouvais toujours avec des moyens moteurs. Parce que j'ai une sonde après kata. Tu mets un set fix? Ouais. C'est quoi un set fix? Un set fix, c'est en fait ça va se brancher avant ton kata, ça va se visser avant ton kata dans le tube. Ouais. Et après tu mets ta sonde dedans. Et en fait c'est un détrompeur. Ça espace un peu ta sonde lambda pour détromper, pour faire un. C'est un détrompeur. Hein. D'accord. Ça vaut que dalle, hein. Ça vaut 10 balles un set fix. Faut que bac à vidange, ça c'est cool. Y'a pas un truc à ouvrir avant? Non, c'est bon. Hein. C'est déjà fait. Ok, beau gosse.
Donc comment ça fonctionne? Tu ouvres là? T'as une vanne là en fait? Non, là elle est ouverte et en fait là elle est fermée. Mais bon. Ah hein. D'accord. Ouais, on vide tout de suite. Oh, du premier coup! Ce talent. Regarde, faut juste faire proprement. Ça. Oh, le mec. C'est Capen qui m'a appris. T'en as pas sur. Oh là là. Bah merci Capen. Merci, le mec Capen. Est bon. Là, tu pourrais même. Et putain, regarde, c'est un bouchon aimanté. Ah, et y a pas de. Ah ouais, et t'as pas de. Pas de merde. Voilà, de merde. Je sais pas combien il y a de litres. Ah, tu veux pas fermer ta gueule? Tu veux pas fermer ta gueule un peu? Les mecs, ingrats, c'est. Le gars, il nous apporte le Rolfender trop gentil. Et on l'envoie chier comme pas permis. Merde, on n'a pas dégarni le coffre. Ah mais ça on peut le faire après, on peut d'abord défaire en bas. Non parce qu'il faut dégarnir le coffre. Ouais, enlever le sud. Bah on s'en fout, on démonte tout le bas des amortisseurs. Ouais c'est ça, et puis là ça va. Regarde, c'est fini. Putain, c'est chiant comme les mecs quand eux ils parlent, ça a l'air trop simple, tu vois. Moi j'explique 10 minutes, eux ils sont là. Bah ouais, écoute, on va prendre une clé de 18, prendre la sortie à 14 et puis on reprend vers Châtelet quoi. Eh ben il faut changer à Châtelet. Vas-y donc, là qu'est-ce que tu démontes? Ta merde. Là, pardon. On a dit pas les merdes. Que tu payes. C'est pas dit que tu payes. Je paye. Ah, c'est pas dit que tu payes le fer. Le verre de payer. À payer, je paye, tu payes. Nous payons. Nous payons. À la caisse. Vous payez. Ah oui, nous payons à la caisse. Ah, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait pas en attendant que Camille fasse ce côté-là? On va commencer l'avant. Hein, Clément? On va commencer l'avant. On commence l'avant. Yo. Un truc mieux pour ça. Une grosse barre. Ceci est un Dimi 3000. J'ai refait tes disques. Ouais, ça a l'air chaud. Ah, ouais. C'est un truc à frappe. Ouais, c'est un Dimi 3000. Un Dimi 3000. Avec le Dimi 3000, profitez d'une puissance maximale. Dimi 3000 maintenant dans votre boutique. Pour un Dimi 3000 acheté, recevez pas un, pas deux, mais 14 Dimi 3000. Le Dimi 2006. Pour vos soirées entre amis, la pieuvre 4000. Alors, si jamais dans la Civic, j'ai un soufflet de carbone qui est graissé, qui est neuf. Mais qui est juste plein de graisse et que j'ai pas réussi à mettre sur mes Civic. Donc soit vous le décapez et vous utilisez le mien, qui est possible en vrai. En vrai on va faire ça, on va pas aller en racheter un nouveau. Parce qu'en fait il y a le bain pour nettoyer les trucs sales là-bas. Oui. Bon bah je t'offre un cardan. Je t'offre un cardan pour tes 25 ans écart. Un soufflet. Merde. Ouais, ouais. Eh, salis pas ton pull brosse garage là. Mais je crois tu m'as dit qu'il fallait l'utiliser. Mais pas pour le salir. Ah, moi, c'est pour ça, moi il m'en faut deux. Moi, c'est pour ça que j'ai mis un super t-shirt Max Spinning Rods. Vidéo sponsorisée. Il y a un peu trop de tuning sur ce parking, je trouve. En fait, faut que t'arrives ça. Oh putain. Qui défait ça? Ah tu crois que c'est genre là? Ouais. Ah bah c'est sûr mec. En haut? C'est sûr et certain. Alors là, c'est ça, c'est la méga galère en fait. La Subaru t'arrives, blé, blé. Allez, c'est vite que c'est encore plus simple que tout. Alors là, pour démonter les amortisseurs. Ce qui est bizarre, hein. Juicy Fruit Chewing-Gum Wrigley's. Putain, j'avoue. Oh mais il est là, oui d'accord, elle est là. Oh, oh, il est mignon, il est là. Non, oh, oui. Quel amortisseur. Eh, le plan, il est génial, frère. Ah, je pensais pouvoir passer et faire un gros fuck dedans, mais non. Le mec a les mains bizarres quand même, du coup. Il arrive à quand même faire 90 degrés en restant droit. Vas-y, sers à quelque chose là. Ça, tu mec, tu mets gros Alcantara là. Ouais. Ah, c'est moche. Tu es moche. Ta gueule. Tu es moche. C'est pas beau.
Oh, on a Kécho le stagiaire. Et du coup, la tête, elle est là. Non, non, oui. Yes, vu, tu retiens l'amortisseur pendant qu'on le dessert. Pourquoi je retiens, moi? Bah, parce que je le desserre. Mais non, il va pas tomber. Hein. Bah, si, il va tomber, t'es con. T'es sûr? Bah, oui, je le desserre du haut. Ah, vas-y, je le tiens quand même. J'avais dit qu'il allait se casser la gueule. C'est de la merde. Ah ouais, c'est... comment c'est beau. Waouh. Franchement, déchire. Pour une fois, ils sont bleus. Il y a eu beaucoup de commentaires aux dernières vidéos. Ouais, les Max Spinning Rods, c'est doré. Donc ouais, comme toujours, on est sur des Max Spinning Rods. Donc un gros merci à eux de nous avoir soutenus pour cette vidéo. Merci pour le t-shirt. Vous regardez dans la description, vous avez la livraison offerte sur tout le site Max Spinning Rods en cliquant sur mon lien. Donc franchement, foncez. Nous, on a ça avant même qu'ils nous sponsor. On avait des Max Spinning. Capen, il a ça sur son Del Sol depuis 2-3 ans. Moi, sur la Civic depuis un an. Et sur la Subaru depuis 6 mois environ. Et j'en suis super content. Pareil pour la Camry. Là, c'est des combinés. Je crois qu'ils sont entre 300 et 400 euros, je crois, pour la Camry. 400, ouais. Le commercial est super sympa. Et voilà, donc livraison offerte sur tout le site. Foncez. Et nous, bah, on continue le montage. Ça va de l'autre côté? Ça galère ou? Bah, non. Ah, vous l'avez déjà monté? Bah, attends. Putain, les mecs, ils sont chauds. On est en retard, Cam. On est en retard. Tu veux que je visse ou plus? Est-ce que ça te parle ça? Ouais. Est-ce que t'as vu ça sur tes amortisseurs? Non. C'est peut-être que tu les as oubliés dedans. Ah peut-être. Voilà, je crois que j'ai fait la connerie. Je crois que j'avais fait la connerie pour la Civic aussi. Non mais ouais. C'est... Hey, je les vois, ils sont dedans. Je les vois. Ah bah ouais. Je vais te montrer ta connerie. Ah ouais. Voilà comment on rabaisse une voiture, on enlève les écrous. Tu veux la rehausser? On met des écrous. Quelqu'un veut faire un lowrider? Hey, franchement, je vous mets des écrous, vous êtes bien. Bon alors, pendant qu'ils sont en train de réparer ça, vous avez vu comment c'était foutu là. On upgrade. Camille, lui, il est en train de défaire les têtes d'amortisseurs avant. Pareil, ça c'est parmi le plus simple. Vraiment, le plus chiant, c'est les grosses vis en dessous. Villebrequin a dit que c'était pas efficace, mais c'est cool. C'est pas efficace? Bah, c'est sûr que... Oh, 300 fois trop d'air. Ouais. Mais par contre, je fais... Genre quand elle est froide et au starter, tu sais, voilà. T'entends... On s'en fout. Bon, ça c'est pas intéressant, on met les garnitures. C'est grave. Et on s'attaque à l'avant. Peu stop, peu stop, peu stop, peu stop. Mais oui, c'est clair. Peu stop, peu stop, peu stop. Ce plan, il est vraiment trop beau. Vous avez vraiment des sales gueules à chaque fois, quoi. Et ce qui est cool sur les Max Speeding, tu vois, ils sont déjà, parce qu'il y en a, ils sont pas machin. Là, ils ont déjà donc le support bar stable. Ça, en vrai, c'est du plug and play, quoi. Ouais. Et par contre, les mecs, oui. On n'a pas du tout, avant de remonter, on n'a pas du tout comparé la taille avec les anciens. Non, on n'a pas comparé, mais Cam les a réglés. Cam les a réglés? Oui. Voilà, donc là, comme je disais, bah ouais, Max Speeding, c'est vraiment du plug and play. Et ça, c'est cool. Merci d'avoir apporté le roller et merci pour le coup de main. C'était ouais. Cool. Et n'empêche, ces jantes, elles sont trop belles. Je suis trop content. Works. Là, tu remontes tout comme il faut, parfait. J'ai remis les vis. Eh, refrais, sinon je me disais, je peux foutre la banquette de la Camry derrière, non? Oh. Après, moi, c'est pas pour les flics, hein, c'est juste pour ton cul. Camille va me taper. Hein? Camille va me taper. Quoi? Si je mets sa banquette dans la... Ah, voilà. Low rider. Franchement, ça va le faire. Je suis grand, ça va le faire. Putain, faut que je refasse ça aussi, je sais pas comment je peux faire. Ouais. Je vais en parler avec Cam. Peut-être le. Au début, je voulais le chauffer, mais il y en a plein qui me disent de le poncer carrément. Je sais pas, ça va rendre bien. Bah ouais, c'est le problème. Il va blanchir quoi, après, à voir je pense si ça se repeint. Poncer, il va devenir comme ça quoi. Ouais, faut voir. Après, c'est non, après, si tu ponces au 8000. Ouais, Cam, qu'est-ce que t'en penses? Tu ferais ça comment toi? Pour le rattraper? Ah bah, pour le refaire. Tu le ponces complètement et tu mets une peinture plastique noire. Bien le poncer. Ouais. Okay. Parce qu'il y en a plein, ils me disaient ouais, faut le poncer et tout. Je suis arrêté, vous conneriez. Si, il faut le poncer et faire une peinture plastique. D'accord. Dans les genoux de Julien. Aïe! Foca! Post up! Est-ce qu'il achète? Je mets un truc là. Est-ce qu'il achète Eclipse? Finis déjà la Civic et après tu fais une Eclipse. Ah, mais ça, c'est plus tard. Mais la Civic, ça sera fini d'ici peu. Bon appétit! Post up! Post up! Action! Du coup là on avait dit il y a juste ça là. Ouais, un grand élargir un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Regarde bien. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Mais non mais vu, pourquoi tu prends un comme pourquoi ça? Pourquoi tu prends pas un forêt plus gros? Mais chut. Mais chope une lime alors quelque part. Papa avec ça, ça l'abîme. Oui. Mais non, mais prends directement. Tiens, prends la caméra. Quand je te parle. Bon bah je vais chercher. S'il te plaît.
c'est pas méchant quand je te parle de merde. C'est juste que c'est. Tu vas prendre ton temps. Tu vas te prendre la tête pour de la merde. C'est un truc de ouf, ça. C'est bien. Il me fait tenir la GoPro. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la Camry. Nous voyons que nous sommes sur un soufflet complètement caca. Alors, si j'en prends mon expérience, il faut enlever les écrous avant de monter la Parce que sinon, ça rehausse. C'est clair. Mais okay. Oui, c'est clair. C'est combien la différence? Rien que par rapport au poids, la grosseur du bordel. Ouais, les origines sont plus lourdes, oui. C'est bon. Yes. Voilà. Tiens. Donc avant de changer, soufflet de cardan, on essuie. Un petit peu, pas trop, faut pas la sécher complet, mais on essuie vraiment le très gras. Ouais. Alors, pour utiliser la pieuvre, voilà, tout simple. Ensuite, je sais pas si on voyait bien dans le sous, on a mis en lumière mon collier là et là-bas. Là, là. Et voilà, il n'y a plus qu'à remonter. Vas-y, rentre dans le trou. Ça voilà, c'est bien gras. La rondelle, après être rentré dans le trou. C'est vraiment un métier dégueulasse d'être mécano. Ah bah ça. Honnêtement, Max Speeding, pour le prix en daily, je trouve ça parfait. Et en compète, il y en a plein qui disent ouais, en compète c'est de la merde et tout. PSR TV, Paris Street Racing, là, qui font. Bah, il a fait champion de France de drift. Je sais qu'il a fini premier à Bordeaux, c'est ça? Équipé Max. Bordeaux Marignac. Ouais. Il a fait premier avec du Max Speeding. Sur sa E30 V8 de la altitude. Elle déchire. La vraie, quand même. Elle déchire sa caisse. Et vraiment, GG à toi. La Pelosa, je crois. Je sais plus ton prénom, mais la Pelosa. Donc, et franchement, bon compromis, pour moi, bon compromis quoi. Moi, ce que je vous dis, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Il y en a plein, ils disent ouais, économiser pour mettre des trucs chers. Hein, Clément ? Oui. Je sais pas ce que t'en penses, mais il y en a plein, ils disent ouais, économiser pour mettre des trucs chers, pour non. Mettre du Bilstein, je sais pas quoi. Moi, je suis plutôt. Ça dépend de l'utilité. Voilà, moi, je suis plutôt dans le truc. Tune ta voiture avec l'argent que t'as quand tu peux. Donc on avait dit 22 et 22, ouais. Yes, super. Elle est où ma goupille? Je ne sais pas. Oh fuck. Mais je vais rester là. Mais déjà, tu vois par rapport à l'arrière. Bah déjà, c'est un peu plus bas. Rien qu'en comparant tout à l'heure, on avait un gap de là à de là. Déjà, là, elle est pas par terre, c'est mieux. Ce genre de go fast, mon gars. Ah, c'est ça, c'est l'Axantia, Franck. Alors, par contre, moi, je veux voir ça. Mais là c'est pas, franchement c'est pas mal, ça reste roulable je pense. Ouais non, il faut baisser à l'arrière, c'est trop. Mais à l'avant mon gars. L'avant c'est immonde. Bon bah à l'avant il faut lui enlever sa race. Putain mec, vas-y, tu fais 40 kg tout mouillé. Je fais 80. Pour moi mec, il faut que tu tournes 10 cm à l'avant. Bon bah 10. Pour moi alors. Bon allez, on fait ça, on a plus de batterie, voilà. Bon, petit update là, on galérait vraiment à défaire les suspensions avec les outils spéciaux là pour régler la hauteur. On a réglé la compression déjà. Du coup, le plus simple c'était juste de tout redémonter le bas et de refaire. Donc là, on est en train de démonter donc, le bas là. J'ai déjà fait de l'autre côté, voilà, j'ai déjà dévissé ça. Donc on va pouvoir régler la hauteur comme ça, sera beaucoup plus simple. Et Camille, il a fait l'inverse à l'avant, c'est qu'il a défait. Là-haut, là, il a défait la tête en laissant la platine. Et de toute façon, il y a les marques là pour le. Elle était en point neutre, 0. Il a défait là pour pouvoir régler directement en dessous. Voilà. On était un peu en rush là parce qu'on en avait ras le cul de pas trouver de pourquoi du comment.
Mais on est sur bonne voie. Donc voilà, on a réglé l'arrière, on a réglé l'avant. Je pense que l'avant, il aura besoin d'encore être abaissé un petit peu. Mais c'est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure. Donc on a bien sûr tout resserré. T'es bizarre sans casquette là. Arrête. On a bien sûr tout réinstallé, tout mis au point zéro comme il fallait. L'autre côté pareil. L'arrière est tout remonté, tout resserré. Et voilà, il n'y a plus qu'à drop it low. Y a rien sur la voiture. Rien sur la voiture. C'est mieux. L'arrière est pas mal. Putain, ça change toute la caisse. Ça change tout. L'avant, on peut encore baisser de un bon 5 cm. Faut rebaisser encore l'avant. Alors, verdict numéro 18. C'est le 18. C'est mieux. Putain. Tu comprends pourquoi je te dis que là, ça se passe pas ? C'est mieux, mais... mais je sais pas comment. En fait, il te faut des jantes en 10, en 20. Je sais pas comment on va descendre plus. Oh mon gars, ça va être un bout de bois. Tu vas prendre le boss comme ça. Jean bout de bois, serre la jante quand même parce que j'ai pas serré. Ah mais comment tu fais pour baisser plus? Comment on baisse plus? Et bah... En fait le problème c'est comment on baisse plus en comprimant le ressort. Faut changer les ressorts en fait. Ouais, je vais demander au gars s'il a des ressorts plus courts. Ouais ça se peut en fait, il faut des ressorts courts. Hein. Donc on arrive au dilemme que la voiture descend pas assez bas. Voilà. Enfoiré bah. On arrive au dilemme que la voiture ne descend pas assez bas. Du coup, je pense que la solution, ce sera des ressorts courts pour vraiment qu'elle soit très très basse. Parce que là, ça ne change pas beaucoup en fait du fitment qu'on avait avant. Donc il y avait quand même ça, on a dû récupérer ça, je pense. Mais je ne suis pas sûr que ça change des masses. Donc, à mon avis, on fera une autre vidéo où on met les ressorts courts. Voilà. Donc là, voilà, on avait profité pour faire la vidange, donc on remet la pointe d'huile. Et comme je disais, Cam, je sais pas ce que t'en penses, je pense qu'on reviendra pour voir si on peut avoir des ressorts courts ou autres. On va remonter l'arrière et puis voilà. On va remonter l'arrière de 4-5 cm histoire que ce soit vraiment pareil derrière et devant, parce que c'est quand même une voiture qu'il utilise tous les jours. Et puis voilà, là il fait la pointe d'huile. 5W30 comme d'hab. Le plein d'huile. Oui. Et c'est 3098. C'est le 9 et le 8. C'est mieux. Ouais, encore trop basse à l'avant par rapport. Ouais, trop haute à l'avant. Mais ça. Mais déjà t'es mieux. T'as déjà plus de gueule. Mon gars, c'est un bout de bois. Ah non. Et encore le pire, c'est à l'avant. Regarde. Pieds nus, pieds nus. Bon, à l'arrière ça va. L'arrière ça va, tu vois. À l'avant, elle bouge. Ah, pour ça, faut des ressorts courts. Là, faut des ressorts courts moins comprimés. Acte 3261. 261, t'as pas vu. Heure 42. Jour bientôt. Numéro 3. Réglage des amortisseurs. 2000 years later. 20 million light years later. C'est bon, c'est couplé? S. Moi, je pense qu'on pourrait régler un peu les ressorts. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Est-ce qu'on peut le lâcher? Frappez-le. Alors tu vois, c'est comme Ikeo. C'est comme à Ikeo, t'as les vis, tu sais pas d'où elles sortent. Alors fais pas le con, gagnard. Bon, comme je disais, on reste comme ça pour le moment. L'huile, c'est bon. Elle est à hauteur correcte, mais elle est pas assez tankée. Ça viendra. Voilà, en tout cas... Mais non! Hé, fils, il est mieux que ta Honda. Elle est bleue et elle est rouge des fois. Oh merde. Mais what? C'est un sapin de Noël. T'as un phare jaune et t'as un phare blanc. Non mais attends, t'as acheté des LED sur AliExpress ou comment ça se passe là? Les mecs, surtout qu'il y a vraiment une... Il n'y a aucune coordination quoi. Ah non, pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ça? Eh ouais, après on parle de ma Civic les mecs. D'ailleurs la Civic, il n'y a plus de néon. Pourquoi? Bah ils ont clamsé. Il a vu Fizz sur YouTube, pareil. Il a dit tiens je vais faire pareil sur Mano Smoke. Donc je disais, voilà, on a terminé la journée pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Il y aura d'autres épisodes bien sûr sur la Camry. Je le répète, Max Speeding Rods, merci encore. Checkez la description, livraison offerte sur tout le site. Et puis voilà. Ciao, 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 ciao. Allez. Suivez-nous sur Insta. Tous ceux qui sont sur Insta, ils ont vu à quel point on a galéré aujourd'hui. Voilà. Comme vous pouvez voir, il fait nuit. Et puis c'est tout, encore un gros merci au Leclerc Auto de Guérande de nous avoir accueillis et de supporter les bros pendant la journée. Et voilà, c'était Fizz et les bros, ciao.